Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement se passe bien. De mon côté, du coup, j'ai réussi à récupérer un petit peu de matériel. Surtout mon rack à squat et qui se transforme aussi en bande développée couchée. Et par contre, pour le soulevé de terre, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, je vais essayer de faire un soulevé de terre en retenant la descente pour éviter d'avoir des problèmes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous filmer une semaine de pivot, parce que ça fait une semaine que je me suis pas entraînée, un peu plus. Donc je vais vous filmer une semaine de pivot et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, quel exercice on doit faire, enfin on peut faire. Et donc voilà, j'espère que vous ça va, et n'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à la partager. Donc là je vais vous montrer mon squat du lundi. C'est parti. Donc pour ma séance de squat, donc j'ai fait une montée en x3. Donc j'ai fait 3 reps à 60, 3 reps à 85, 3 reps à 99 parce que j'ai pas de poids de 15. Ensuite j'ai fait 3 reps à 110 et 3 reps à 120 en tempo, donc 6-0-0, ce qui correspond en fait à une descente de 6 secondes. 0 secondes en bas et 0 secondes de montée. Maintenant je vais faire 2 x 3 à 115 pour continuer mon squat, et ensuite j'aurai terminé ma séance de squat pour ce lundi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de poids de 15 et de poids de 5, parce que du coup on est plusieurs à vouloir s'entraîner, donc on a partagé le matériel du club. Donc on va voir que je jongle avec les poids pour pouvoir m'entraîner. Donc tradi tempo 0-0-3, donc on lève normal et on s'arrête pas en haut, et on redescend en 3 secondes pour éviter justement d'abîmer le sol. D'abîmer le sol, ce que t'as déjà exposé, on voit pas. Ouais. Du coup j'ai 3 répétitions, donc une montée en x3 comme le squat de ce matin, et ensuite 2 back-off, donc en gros ça va être assez rapide je pense. Sans ambiance. Thank you.
aujourd'hui, donc on est mardi. Donc c'est la deuxième séance dans l'appartement. Donc aujourd'hui, j'ai que du bench. Je vais vous montrer une variante. Donc c'est du 5CT. Alors vous pouvez faire aussi du 3CT. Donc CT, ça veut dire count en anglais. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand vous posez la barre sur votre poitrine, vous devez laisser soit 3 secondes si c'est du 3CT ou 5 secondes si c'est du 5CT. Donc voilà, c'est une variante au bench que vous pouvez faire lorsque vous êtes soit en pivot ou soit pas en pivot, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Et si c'est du 12CT du coup? Bah tu meurs sous la barre en fait, parce que tu ne peux plus respirer. C'est une variante aussi. Tu veux mourir pour le bench. Et là je vais tester mes sabots pour la première fois. Bon, moi je suis là pour que t'insistes hein. Ouais, j'aurais déjà abandonné. Oh putain. Bon, c'est 5 CT, mais Kevin Batista. Ta mère. Déjà, tu veux des cannes pour les pieds? Donc 2 reps, 5 CT. Plan sur le double menton. Oui, oui, je sais. Si vous voulez des conseils sur le comptage. On va mettre 49. Non, 49, 75. 49, 750. Et oui, parce que nous on fait des records. On a acheté tous les bois pour faire des records du monde à la maison. Donc là, il y a 47,5. Plus 500 grammes. Il fera 48,5. 48, Google. 47,5 plus 500 grammes, ça fait 48. Oui, mais parce que moi je compte des 2 kilos. Mmh. Donc, 47,5, 48,5 plus 500 grammes, 25, 49,5. Non, 49. 49,5. Et ça, c'est des petits poids de 0,125 grammes. Voilà, ce qui nous permet de faire du coup 49,750. Ça, tu glisses pas trop? Non, ça. T'as galéré tout à l'heure. Je peux faire comme les grands athlètes, attends, ici. C'est mieux? Ouais. Je sais pas pourquoi on a mis les poids derrière pour tenir le tapis, parce qu'il n'y a pas de leg drive. Ça pousse pas sur les jambes. C'est pour tenir ta grand-mère. T'as dit quoi? T'as dit quoi? C'est pour tenir ta grand-mère. Et tu vas rien y faire. Je suis pas là.
égal à un mec comme ça. J'étais sûr, hein. J'ai même pas bougé. Fini, Ben? Oui. Bon, là, je viens de finir mon 5CT. Et maintenant, je vais faire une autre variante. C'est on ne pose pas les pieds par terre. Donc, ça s'appelle du sit-up, donc du pied relevé. Donc, voilà, c'est une variante que vous pouvez faire aussi au développé couché. Et donc, là, je vais faire 3 séries et une dizaine de reps. Voilà. Sur le peuple associatif. Si je prends la nationalité française, j'ai peur de devoir accéder de rejoindre les militaires. De rappeler sur les gens pour utiliser. C'est du fit-up, pas du pied mûr. École prisonnière, cache sur le directeur. Je connais la direction, c'est comme un agent migrateur. J'ai pris les détails, je suis en train de prendre un sens au bonnet de la valeur. Si tu cherches à la fête d'âme, y'en a si qui fout la chiche en position de star. Elle me pose des questions, mais elle connaît pas. Ça touche pas, t'as de la chance. Donc voilà, la séance alors de mercredi est terminée. Normalement, c'est ma séance du mardi, cette séance-là. Mais là, comme j'ai pas pu m'entraîner lundi, vu que j'ai récupéré le matériel, du coup, c'est ma séance de mercredi. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous arrivez à vous entraîner pendant cette période de confinement. Et voilà, prenez soin de vous et à bientôt.